La tulipe vortex. Tenez votre tasse à latte en angle. Coulez le lait en gardant une certaine hauteur entre le bec du pichet et l'espresso tout en effectuant des rotations avec le pichet. Continuez de faire des rotations en versant votre lait jusqu'au moment où la tasse sera remplie à la moitié. Rapprochez le pichet lentement vers l'espresso. Il est très important de garder la tasse en angle. Déposez le bec du pichet au centre de la paroi de la tasse la plus rapprochée de votre corps. Laissez un rond se former, puis arrêtez la coulée. Vers la main qui tient le pichet et en suivant la courbe de la paroi de la tasse, déposez successivement plusieurs ronds en laissant un espace entre chacun et en poussant légèrement chaque rond l'un dans l'autre. Il est important de redresser la tasse progressivement chaque fois qu'un nouveau rond y est déposé. Une fois la tasse redressée et que plusieurs ronds ont été déposés, terminez en relevant légèrement le pichet pour tracer un mince filet à travers les formes rondes. Voici la tulipe en vortex.